chante toujours pas la voix. Il va falloir voir que ça donne. Oui, alors bonjour, mon nom est Louise Bruno de Steve TV. Il y a quelqu'un de très, très spécial que j'aimerais vous présenter ce soir. Alors, c'est quelqu'un qui a une voix magnifique. C'est un homme qui est très, très gentil. Alors, je l'ai comme ami, puis je l'ai un peu dans ma vie. Et je suis venue chez lui pour le filmer et puis pour partager ces moments-là avec vous autres. Et puis, c'est un homme d'un grand cœur et je pense que juste de le connaître, vous allez vraiment apprécier. Alors, son nom est M. Serge Préville. Alors, M. Préville, j'aimerais bien ça vous dire bonjour. Bonjour, M. Préville. Bonjour, Mme Louis. Ça va très, très bien. Alors, moi, je voulais savoir, vous êtes un chanteur. Depuis combien de temps vous chantez? Je m'excuse, je ne te regarde pas là, pour le moment. Pas de problème. Ça, on va faire comme si juste un échantillon. Oui. Je chante un peu. Parce que j'ai chanté ma chanson. OK. D'accord, ça va être mieux, ça va. Okay, c'est beau. OK. C'est beau, moi, je suis prête à... Non, je veux dire, chante quelques secondes. Oui. Ah, okay. Parce que quand je vais écouter, je vais pouvoir voir si la voix plus la musique, etc., rentre bien. OK? Fait que je chante n'importe quoi. Tu peux même partir, puis juste... Ah, oh, c'est sûr que je voulais pas que ça fasse. Ça, il faut régler ce problème. Je vais te dire que ça se fera plus, là. Maudite bebelle hawaïenne, hein? C'est pour ça que tantôt, je vous ai dit, checker tout. Avec ça, il bougera plus. Là. Alors, c'est quelqu'un d'assez spécial que je vais vous présenter ce soir. C'est quelqu'un qui a une vision assez grande et puis aimerait aller très, très loin. Alors, nos médias ont décidé de l'aider à aller plus loin. Alors, c'est quelqu'un avec un talent, mais il y a des questions que je me pose. Bonjour, M. Préville. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui. Alors, moi, je voulais savoir depuis combien de temps vous chantez? Ça fait depuis 2011. OK. Alors, ça fait longtemps. Wow! Puis, qu'est-ce qui vous a amené à la chanson? Ce qui m'a amené à la chanson, c'est que j'ai subi un gros choc post-traumatique. Puis suite à ce choc post-traumatique-là, ça a mal été. J'ai voulu me suicider deux fois. Puis ce qui m'a sauvé la vie, ben j'ai rencontré le 450 Plus à Saint-Jérôme. Puis j'ai commencé à chanter là au karaoké. Puis c'est ça, c'est de même que ça a commencé. Trois mois après, il y a une madame qui me dit « Serge, t'as une moseuse de belle voix, tu devrais aller... » chanter à Villa Soleil à Saint-Jérôme. C'était une place pour une résidence de personnes en perte d'autonomie. Okay. Mais elle dit, il n'y a rien à faire, elle dit, c'est bénévole. Ben, j'ai dit, garde, ça ne me dérange pas pantoute, je vais y aller. Puis je suis allé là, mais j'ai été bénévole pendant 4 ans à cette place-là. Puis quand je suis arrivé là, j'avais 170 chansons. Puis pendant mes 4 années que j'étais là, ben j'ai augmenté mon...
mon répertoire, j'ai pris des cours de chant. J'ai été à La Voix, on connaît la chanson, Étoile des aînés. Là, je me promène un peu partout, mais l'histoire n'est pas là. L'histoire est que ça m'a sauvé la vie, ça. Puis maintenant, je chante parce que c'est une prière à la vie pour moi, chanter. Puis ça me fait du bien. Puis je me suis aperçu tout au long de mon parcours, avec mes chansons, je fais beaucoup de bien à beaucoup d'autres personnes. Puis souvent aussi, quand je fais des spectacles, quoi que ce soit, ben je parle un petit peu de mon vécu avant le spectacle ou après le spectacle. Je dis que si jamais vous doutez que dans la vie, ça va pas bien, puis que vous êtes tout mal, puis qu'il n'y a plus d'espoir, ben je suis l'exemple vivant devant vous autres qu'on peut foncer, puis on peut arriver à quelque chose. OK. Alors, ça vous a pris quand même pas mal d'années à arriver peut-être à avoir cette voix-là. Bien, ça a pris 6 ans, 7 ans. OK, de pratique. Oui. Et puis, vous pratiquez combien de fois par jour? Ah, mon Dieu, je pratique énormément. J'apprends 25 chansons par semaine. Oh! Puis, en plus, je fais des spectacles gratuits sur Facebook. J'ai mon petit fan club sur Facebook, puis je peux chanter en 1 heure, 2 heures sur Facebook. OK. Puis, quand je ne vois pas bien, ben je parle avec mon speaker, puis je vais chanter un peu partout. Moi, je demeure à Sainte-Adèle, puis je vais chanter à Sainte-Agathe devant mes... Alors, tes buts à long terme, c'était quoi, Serge? Mes buts à long terme, c'était, comme je disais, je chantais sur Facebook pour me faire connaître. Mais j'ai plus que ça, je veux aller plus loin. Okay. Je veux que le monde me connaisse. Je veux que mes gars, je parte, ils disent, ben, il nous a apporté quelque chose. Okay. C'est le but de ça. Là. OK. Alors, si je te disais qu'à partir de maintenant, tu vas avoir ta propre émission de télé, qui va s'appeler Préville en musique. C'est le rêve de ma vie. Bon, alors, à partir de maintenant, tu vas avoir ta chaîne télé. Mon émission. Alors, ton émission à toi. Ah. Alors, à tous les gens qui suivent Serge depuis très longtemps, Serge va voir son émission. Alors maintenant, vous n'aurez plus besoin d'aller sur Facebook, vous allez aller sur stevetele.tq. Alors, en tout cas, moi, j'ai le goût de pleurer aussi. Les larmes me viennent aux yeux. C'est pas... Oui? Alors là, M. Préville, je sais que vous avez votre micro en main parce qu'on en a parlé, mais j'aimerais ça me faire charmer par vous avec vos chansons. Ben. J'aimerais ça que vous me chantiez quelques chansons pour que le public de Steve TV peuvent que voir qu'est-ce que vous pouvez nous donner. Moi, je dois et puis on va vous suivre. Je vous le dis, on va vous suivre. Moi, d'abord, je vais vous dire que chaque chanson que je chante est imprégnée dans mon cœur. OK. Puis je chante avec le fond de mes tripes. Puis c'est toutes des belles ballades, la majorité de mes chansons. Mais chaque chanson veut dire quelque chose. Puis c'est aussi, ça passe par le mon vécu. Puis j'ai eu un gros vécu ces dernières années. Puis j'essaie de l'extrapoler dans mes chansons. Ah. Alors, c'est à vous. On vous laisse la place. OK. Merci. On va vous chanter une belle petite chanson. Ben, pas une, deux, trois. Ça commence. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on burning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that burn. Hear the whisper of the raindrops.
love me one more time for the good time. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait en avoir une autre? Certainement. Oui. Je veux juste vérifier quelque chose. Je vais m'éloigner de la caméra. Alors, M. Préville, on aimerait une deuxième chanson. OK? C'est vous, c'est votre choix. J'ai choisi une chanson qui m'attriste beaucoup en la chantant parce que c'est la chanson préférée de mon amour que je suis plus avec. Ça fait un an et demi, mais je suis incapable de l'oublier. Elle est trop dans mon cœur. Et puis... je ne veux pas nommer son nom parce que je ne veux pas que ça fasse de la publicité pour ça. Mais je vais y aller avec la chanson parce qu'elle me prend beaucoup. Puis c'est une chanson, c'est sa chanson préférée à elle. D'accord. Allez-y. Je veux vous partager ça en même temps. D'accord. I'm crazy for trying, and I'm crazy.
I'm crazy for loving you. C'est émotion, hein? Oui, beaucoup. Oui, hein? Ça tourne. Eh bien. Je vais y aller avec une troisième. Oui. Ça est en français, c'est une chanson de Paul Darèche. C'est que la lune est belle ce soir, mais ça explique ma vie dernièrement. OK. Par tout ce que j'ai passé depuis que j'ai commencé à chanter, puis par tout ce que j'ai passé avec mes peines d'amour, puis tout ça. Mm. C'est une chanson qui veut dire beaucoup pour moi. Elle me représente beaucoup. Ça, c'était une chanson que M. Darèche avait fait pour un truc spécial dans le temps? Non. Ben, c'est que la lune est belle, ça fait longtemps qu'elle existe. Ah ouais? Ouais. C'est un de mes amis que je connais, Yvon Durand, qui a composé cette chanson-là. Bon? Pour Paul Darèche, mais Paul Darèche la chante beaucoup, mais Yvon Durand l'a composé. D'accord. Puis là, je vous la présente à l'instant même. Vous allez voir avec les paroles. Quand ton amour file entre mes doigts.
Je sens les émotions qui me... Oui. Ouais, j'ai... C'est assez... Ouais, c'est assez émouvant, hein? Mm. Ouais, parce que ça l'explique beaucoup de choses en dedans de moi. Puis... Mais toutes les chansons que je chante, ça me rappelle tout le temps d'où ce que je deviens. C'est pourquoi je chante. Et, j'ai vu à travers mes chansons, j'ai vu beaucoup d'autres gens souffrir parce que j'ai chanté 4 ans bénévole dans une résidence de personnes en perte d'autonomie. Mm. Autonomie, excusez. Oui. Puis j'ai vu beaucoup de personnes que j'aimais partir pendant ce que je chantais là parce que je me suis habitué avec la clientèle de la place. Mm. Puis et c'est ça. Puis à chaque fois que je vais chanter un petit peu partout, ben ça me remémore des souvenirs. Ça me... Mais le fait est que c'est très, très important pour moi de chanter. Puis là, ce que je viens d'apprendre, là, c'est... Au lieu de faire ce que je fais avec mon ordi, ben je peux avoir ma propre émission. Mm-hmm. Avec le gars le plus heureux que pour le monde. C'est alors, c'est un beau cadeau qu'on vous fait, hein? Ouais, c'est faut pas t'imaginer comment, là. C'est, alors, c'est... moi, je sais que vous allez chanter samedi le 10 novembre dès 20h, OK? Vous allez être à le bar Les Talons de Fabreville. Ouais, et puis, vous allez... Moi, je vais la présenter. OK. D'accord, prends celle-là. Ouais. Elle est brillante. Est-ce que ça fait quelque chose, c'est les brillantes? OK. Ouais. Bon. Mon de main. OK. C'est bon de main? Regarde ça. Tu peux lire. Alors, c'est ça. Alors, vous allez être le bar Les Talons de Fabreville. Et puis, vous êtes le Crooner du Nord avec Serge Préville. Bon. Alors, les billets sont de 10 $. Et puis, ça va être samedi le 10 novembre dès 20h. Alors, c'est au 3496 boulevard d'Agenais, Ouest Laval. Alors, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va aller vous voir. Et puis, de toute façon, vous allez avoir une belle émission télé. Je le souhaite de tout mon cœur parce que les gens sur Facebook, quand je chante, là, ils me demandent tout ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour me faire plaisir. Mais là, je vais avoir mon émission. Je vais lui dire, ben, venez me voir à mon émission parce que maintenant, j'ai mon émission à Steve TV, TK, oui. Montréal. C'est quoi plus beau que ça? Oui. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une chanson tantôt, vous avez commencé. Oui. OK? Que, parce que moi, c'est triste. Je suis pas la... Non, celle de New York. Ah. J'aimerais ça qu'on finisse avec celle-là. OK? New York, pour mettre un petit peu de pipe parce que. Oui, les émotions, ils tournent les talons. Là. Moi, j'ai le goût de chanter cette chanson-là. Là, que, c'est New York. Oui. Oh. Ça me rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Puis en même temps, ben, c'est parce que ça vous donnait un élan à mon nouveau projet avec Steve TV. TK. Mm-hmm. J'ai bien hâte de commencer mon émission. Puis j'ai bien hâte de l'annoncer à mes amis et à tous ceux que je connais. Puis c'est ça. On va y aller tout de suite. On va rentrer dedans. On est heureux de t'avoir avec nous, OK? Ben merci beaucoup. Ben moi aussi, c'est la même chose pour merci, moi. Merci, tu sais, merci pour cette entrevue-là. Hein. Alors, vas-y, c'est à toi. I'll make a brand new start of it in all.
make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Woo! New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. And find I'm A number one, top of the list, king of the hill, A number one. These little town blues, in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Ben, ça me fait ça a été plaisir. Vraiment... En tout cas, il va y avoir beaucoup d'autres chansons qui s'en viennent. Ouais, plein. J'ai... Vous n'avez combien? Au-dessus de 2000 dans mon répertoire. Oh, wow! Puis, on va pas s'ennuyer. C'est toutes des belles chansons de crooner, des belles chansons des années 50, 60, 70. Alors, c'est sûr qu'on va vous inviter à mon bureau. OK? Ouais. On va faire un spectacle. Et puis, on va vous donner vraiment la chance. Je peux faire des spectacles partout. J'ai de la musique, de la danse, j'ai de tous les goûts, tous les styles. De la danse en ligne, tout du disco, je peux faire danser du monde pendant 24 heures sans ligne, sans arrêter. J'ai fait des noces, j'ai fait des mariages, j'ai chanté dans des restaurants, j'ai chanté un peu partout. Alors, fait que là, je ne demande pas mieux que d'avoir mon émission à moi. Merci beaucoup. Merci à toi.